Roi YouTube, c'est un peu n'importe quoi, mais vous êtes habitué. Entre les streamers qui buguent et ceux qui parlent pas, on est bien, quoi. On est bien ce soir. C'est pas la meilleure soirée. Notez que c'est quand même pas la pire non plus. Il est vrai. Il est vrai. C'est quoi ça, le Ultra Combine? Qui ce mec? Ah non, je vote non. Non, non, c'est pour une association fédérale, ça va, c'est chez Julien, donc j'ai dit non. C'est niette. C'est des mecs qui veulent te vendre des bouquins, non? Fais gaffe. Ah! C'est le moment où tous les décrets vont arriver à expiration, c'est ça? Le moment que l'on craint tous les 12 ans? Research, voilà, c'est ça. Ça pique, Saras. Ok, vite, vite. Oui. 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 Non, non, c'est moi, c'est moi. Campagne de recyclage. Oula, oula, on n'est pas synchro, c'est pas bon ça. Pourquoi? Non, parce que ouais, j'ai pas envoyé mes flottes de façon synchro. Ah. Ouais. C'est pas. Détendez-vous. C'est pas un bug du multi. Non, c'est un bug de mes troupes qui sont pas assez rapides en fait. Ah là là, c'est terrible, terrible, terrible ce qui m'arrive. Dans le négatif, dans toutes les ressources, voilà, à vouloir. En même temps, dis, t'aurais pu les garder un peu tes réfugiés, hein. Pourquoi? Ah, je sais pas, pour que ça évite que tout arrive chez moi. J'en ai rien à branler. Mais hey, tu te putain, c'est la base de ta race. Et communiste. Ouais, mais d'accord, mais j'avais pas prévu que. Ah, mais écoute, c'est la vie, hein. Ah non, le communisme, c'est pas la vie. Bon, bah c'est moi, c'est à mon tour. Non, mais ah, vous mais êtes non, sérieux. Je fous de ma gueule, putain. T'arrives, quoi, t'arrives pas à sélectionner la recherche? Non, mais quand je demande à mes vaisseaux de se déplacer. Voilà. Attends, enlève voir la pause une seconde. De quoi? Est-ce que vous pouvez enlever la pause que je vérifie quelque chose une seconde? Ah, vas-y. Ships upscaled. Ok, c'est bon. Rien, les animations aussi sont buggées du cul. Je suis en train de. Comment dire? Je suis en train de pilonner une planète en étant à l'autre bout du système. Mais bon, tant que ça marche, ça va quoi. Ah, ok. C'est ça? Ouais. Bah non, mais on va tous quitter le jeu et le relancer. Ah, attendez. Ça va prendre 3 plombes. Bah oui, ça va prendre 3 plombes à faire ça, je viens de lancer l'épisode, allons. Ok, 3 minutes, 3 minutes. Tu t'es rejoint. 3 minutes d'épisode. C'est peut-être. C'est presque aussi long qu'un épisode du One Kill Show. 3 minutes, dont 2 buggés. Dont 2 buggés. Dans cet épisode spécial, nous allons vous apprendre à débugger Stellaris. Ouvrez votre console. Appuyez frénétiquement sur Alt F4. Prenez votre ordinateur, ouvrez la fenêtre et balancez-le. Vous verrez, ça marchera mieux par la suite. Si votre ordinateur tombe, c'est qu'il n'était pas possédé. S'il s'envole, c'est une sorcière. Du
c'est de suriner le cinéma. C'est ça. Oui, on a qui la ref. La menace vient d'Allemagne. Encore. Ouais, je me les suis re-regardé il y a pas longtemps. Là. Le chroma. Pareil, je les remate de temps en temps aussi. Alors, ça y est, tu es là, Julien? Oui, je suis là. C'est trop bien ce format. Mais j'espère qu'ils vont faire une saison 2 bientôt. Mmh. Ouais. Ok, voilà. Alors... Il faut combien de minéraux, là? Il me faut 8700. Ouais, il m'en faudrait 20 000 environ, pour être bien. Ships upscaled. Ah, c'est dit. C'est dit... non, mais c'est mort, on a trop de minéraux. On a plus de biens de consommation. Ah, mais on peut tout acheter, mais ça va aller qu'un moment, quoi. Attention, les prix du marché vont chuter maintenant. Oui, c'est ça, Weird Mec. Espérons que moi, j'ai pas le même problème. Attention, les prix du marché vont chuter maintenant. Ça va, tu te sens bien? Putain, mon... Ah non, j'ai acheté... Ah non, mais non, quand j'achète, il faut augmenter les prix. Tenez, mes potes, prenez ça dans la gueule. 100 unités de stagiaire sur le coin de la tronche. Ouch. Oui, il y en a eu 4. Avec un mètre, avec un maître de stage avec un fouet électrique derrière. La centaine de Belmacosta, on va en chier à s'en débarrasser, quoi. Ouais, oui, bah... Hein? J'ai envie de dire... Tu l'as bien cherché. Non, c'est pas vrai. Research actualized. C'est quoi, ça? Ces hommes mignons. C'est les hommes radis, les Belmacosta. Ah, j'en ai déjà fait des scientifiques et des ministres. Upscaling complete. Quoi? Ah bah voilà. Ils ont... Mais non, on est à moins 100 nourriture. Ils sont capitulés. Ah. Ça y est, c'était vassaux du coup? Le June Mercantile Guild est mon vassal. Ah d'accord. Ah, attends, c'est lesquels ça? C'est le mec... C'est ceux qui sont tout à gauche. Tout à gauche, ce avec le cercle. Chelou là. C'était eux qui étaient alliés au Belmacosta d'ailleurs. Comme ça, quand, la prochaine fois que je déclare la guerre au Belmacosta, j'aurai pas ce problème. Oui. Bah non, du coup, ils vont pas bouger. Bah non, parce que du coup, ils ont plus d'accord. Et de toute façon, le temps qu'ils arrivent. Parfait, parfait. Ça fait un sacré income en plus. Hein. Bon, on en est où là, la colonisation des planètes Pourquoi il n'y a pas de gouverneur ici? Ah, je vais enfin pouvoir utiliser ce gouverneur qu'on m'a vendu. T'as acheté un gouverneur au caravanier? Ouais, je voulais voir comme ça par curiosité, c'est pas mal. C'est quoi ça? 57 de population. Ah, j'ai vendu un esclave. Vous savez, ceux que j'ai mis sur le marché il y a 10 000 ans. Encore? Ah, ça, ils sont encore. Ils sont encore.
Ouais, ils sont dessus là, je les vois. Mais qui s'est caché? Qui s'est caché de ça? Bah, moi, si j'étais archi pété de thunes, je les achèterais pour les libérer. Quelle connerie! Par exemple. Pour les libérer, délivrer. Ça fait 3 vassals. Pour, Research actualized. Je vois que tu ouvres des branches sur mes planètes. Oui. Rien de méchant. What? C'est what? On t'attaque. Non. Dommage. Qui attaque. J'ai des Cobariens qui se sont modifiés. Ah! Il y a eu copulation. Oui, alors non. Non. Pourquoi? Parce que les traits sont pas ceux que je veux, voilà, hop. Mais c'est l'avenir. On va les remodifier pour qu'ils soient comme nous. Ah, quel horrible connard. Mais d'où les gars, ils se modifient génétiquement sans l'accord du gouvernement, quoi. C'est ce délire. Les gens n'ont de droit que ce que leur octroie le gouvernement chez moi. C'est horrible. Le gouvernement dit non, c'est non. On dirait chez Fred. Parce que le gouvernement, c'est mieux. Qu'il, Ah non, chez Fred, c'est le vrai communisme. Ah. Ah non, mais c'est le communisme dans le texte. Pas chez, dans moi, c'est la... chez moi, c'est le stalinisme. Ah, d'accord. Voilà, deux modèles. Donc, du coup, ça se passe beaucoup mieux chez Julien que chez moi. Parce que le communisme. Non, chez moi. Ouais. Mais c'est pas Julien. Tout de mais go, bon, le communisme. Oui. Silence. Non, mais faut dire bien les choses aussi. Parce que après, dans le chat, ils suivent plus, quoi. Déjà qu'il leur en faut pas beaucoup pour les perdre, souvent. Ça y est, ta guerre, hein, Juju, t'en es où? Ça s'en sort pas mal. D'accord. Oh, j'ai pas vu que j'étais plein. Comme une outre. Mais non, mais je suis plein maintenant en thunes. Oh, c'est pas le moment d'acheter des alliages. A system has been surveyed. Wow. Voilà, alors ils ont disparu, très bien. Tout le monde est redevenu normal. Donc là, le communisme, c'est plutôt la famine pour le moment. Hein. J'ai envie de dire, c'est RP. Ah je oui sais, je sais que je dépasse ma limite de flotte. Upscaling complete. C'est RP, ouais. Upscaling complete. Upscaling complete. Ah, on peut construire un bâtiment. De quoi on a besoin? De bouffe. Ben voilà, des fermes hydroponiques. Quoi? Ah oui. J'ai appris beaucoup de choses avec cette partie. Des erreurs que je ne referai pas dans le futur. La première étant que je ne jouerai plus cette faction. Voilà. désolé, Tibbs. T'as tué Tibbs avec cette remarque. C'était un rire ou c'était un étouffement de... C'était un peu les deux. D'accord. Une odi. Vous voyez, camarades, vous n'avez pas besoin de vous battre pour de la nourriture s'il n'y a pas de nourriture pour laquelle se battre. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah. Pardon.
Je suis désolé. Oh, je peux avoir un atout de l'ascension. Pause. Pardon. Faut que je trouve un truc qui m'aide à relancer mon économie là. Parce qu'on a pas mal de choix. Alors. Les œcuménopoles, non, on m'en fout. Oh, c'est trop bien ça. Moi, je m'en fous. Mais quoi qui est trop bien? Les œcuménopolis. Tout ça, je m'en fous. Les planètes villes sur lesquelles tu peux faire que des districts. Des districts spéciaux. Tu peux pas faire des districts miniers, agricoles ou énergie, tu peux faire que des trucs avec des consumer goods, des alliages. Je connaissais pas. J'ai rien de bien. C'est trop bien. C'est génial comme planète. Le projet d'archéologie. Ouais. J'ai pas les moyens de mes ambitions. Par contre, c'est un gros investissement à faire. Ouais. J'ai pas les moyens. Non, mais il y a des trucs mieux là, comme. Allez, choisis vite, je choisis vite. Choisis vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Emprise sur le néant, dominion interstellaire. L'esprit plutôt que la matière, c'est bien ça. C'est pour le psionisme ça. Ouais, on va partir là-dessus. Quelle horreur. On va à Breaking the Shroud. C'est trop bien le psionisme. Allez, go! Lequel monstre galactique? Parce qu'il y en a un ici. Il y en a un chez moi. Et l'autre, bah, il est toujours chez Fred. Depuis des décennies, on va dire même un siècle. Ok, la flotte est prête. Tout le monde à la frontière. On va aller péter la gueule de ces gens là. Là, c'est trop long. De quoi? Eh bien, mettre à jour les flottes. Ah oui, ouais. C'est une horreur. On peut construire un corps psy. Plus de minéraux, allez, avec un dernier bâtiment, une centrale de purification des minéraux, voilà. On va aussi en faire une ici, et on va en faire, là, on va faire un autre quartier. Complètement con. Bon, je vais annexer le Farine Cartel maintenant. Annexer, c'est-à-dire? Bah, on va faire un vassal de nouveau. Ah oui, tu étais plus dans la vassalisation. Bah, c'est tous des corps. Ah ouais, j'avoue. Eh, remarque, c'est Google qui rachète YouTube. Hein. Ah, le Dabax Kingdom a déclaré la guerre au Belmakosa. Je sais pas qui sont ces gens. Mais c'est les mecs au-dessous de toi. Je sais pas de quoi vous parlez. Faut suivre, hein, monsieur. Il sait pas c'est qui ses voisins. Vous mentez! Allez. Oh, est-ce que j'ai besoin de mettre ma flotte à jour pour défoncer ce con? Je pense pas. Je pense que c'est de la perte de temps de s'emmerder. Donc c'est la guerre parce que, voilà. Parce que le jeu a décidé de dire fuck you. Non, clairement, on a besoin de nourriture, donc là on va construire. Des fermes hydroponiques. Alors, où sont ces deux planètes là que je suis en train de coloniser? Ici. La guerre. Comme toujours, pour le meilleur intérêt de nos clients. Évidemment, ça va sans dire. Ah! On est repassé en positif en minéraux. Allez, on n'a plus qu'à rattraper les moins 100 de bouffe et les moins 21 de bien de coups. Non mais Luno, c'est pas pour moi que je vais faire la guerre, c'est pour rendre les trucs à... à pâtisser.
pour rendre sa grandeur à l'Empire. C'est pour moi qui le fait. T'as intérêt de le payer grassement. T'entends, Julien ? Bon, ça devrait le faire, logiquement. On y fait le mec qui n'entend pas, mais... Allô ? Comment ça, des pirates ? Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Ça va couper ! Je suis passé sous un tunnel, pardon, j'entends pas, vous dites ? Je joue depuis le TGV, les gens me regardent bizarrement. Research actualized. Mais bien deux planètes, là. Bon. Ouais, il a mis toutes ses flottes dans le même système, là, il doit se douter qu'il va se passer quelque chose. Non, ça fait un moment qu'il a tout dans le même système. Alors, bah, je vais lui déclarer la guerre, hein, c'est parti. C'est ma flotte, ça. Ils sont 3, mais ça devrait le faire quand même. Pas oublier de faire les édits de munitions là, là. System has been surveyed. Oula, oula, freeze. Ah ouais. Waouh. Non, mais tu te fous de ma gueule, putain. Non, ça va. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiberian. Non, mais là, ça me va. Enfin, je suis là. Ouais, ça devrait être bon. C'est juste relou, quoi. Ouais. Upscaling complete. Ships upscaled. Well, well, well. Bon, alors, les minéraux, c'est bon, c'est réglé. On va arriver à l'équilibre à un moment. Là, vite. Usine de traitement des denrées. Allez, go. On va construire ça aussi. C'est n'importe quoi, la gestion des planètes, c'est n'importe quoi. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Mais c'est n'importe quoi ce que je fais. Là, je suis obligé de réagir tout le temps dans l'urgence, tu vois. Parce que j'ai pas planifié quoi que ce soit. Mais à un moment. Et l'économie planifiée alors ? Les plans quinquennaux et tout ? C'est parti en couille. Pas, on peut se donner rendez-vous tous les 5 ans, te mettre une grande claque dans la. On dirait que c'est un plan quinquennal. Incoming transmission. Un plan quinquennal. Ah, ça c'est la nouvelle planète. Alors, tu seras uniquement composé de mineurs et de fermiers. Voilà. C'est ton destin, petite planète. Station under assault. Voilà. Son empire à l'autre, il est en mousse. À qui Farine ? Ah ouais, c'est une cata. Ah ouais, c'est-à-dire ? Bah, y'a rien. C'est du flan. Je passe devant, j'écrase, je m'arrête même pas. Enfin.
C'est calme. C'est calme et en même temps. Est-ce que c'est si mal que ça? Upscaling complete. Non, non. Non, non, c'est très bien. Ah ouais, mais les gars, vous êtes marrants, mais là, je peux plus. Julien, est-ce que tu peux fermer tes frontières au... et ta fenêtre? Tu sais, aux deux connards qui sont en dessous de chez toi. Alors, attends. Hop. Après, remarque, parce que ils profitent de passer, enfin, ils essaient de passer par chez toi pour. Fermer les frontières. Et lui, fermer les frontières. C'est bon, c'est fait. Ok. On va y arriver. Research actualized. J'ai un freeze. Bon, aussi. Putain. C'est la soie et de la loose. Hein. C'est un peu insupportable. Ah, John est désynchronisé. Oui, c'est rien. Tout va bien, tout va bien. Je suis bien. Ah, ouais. Armée psionique. Ah non. Les armées de Psyker. Oui. Tu connais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas lancer un assaut. Si, non, comment ça se passe? Ah, me dis pas que c'est bugué. Bah pour le moment non. Non, je peux pas lancer l'assaut. Tu peux plus donner d'ordre? Si, mais pas tous. What? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que je peux pas demander à mes flottes d'assaut de lancer un assaut sur une planète, ce qui est quand même franchement ennuyeux pour des flottes d'assaut. Oui. Voilà. Mais sinon ça va quoi. Ok. Du coup bah je sais pas trop quoi faire. Mais non, putain. Est-ce que tes flottes, tu peux les faire bouger? Oui. Je vais essayer. Bon, bah, je vais essayer de descendre pour voir. Ça doit être parce que quand ça me met out of sync, il te dit quel truc est out of sync. Upscaling complete. Ça doit être ça qui détermine ce qui va bugger. Tu dois être out of sync sur un truc. Par rapport aux armées ou je sais pas quoi. Dire que j'avais prévu de construire une flotte ce soir et voilà. Puis là à lutter pour que redresser l'économie comme un pays du tiers-monde quoi. Ça ne m'amuse pas, on est toujours à moins 20 en bouffe et à moins 28 en biens de consommation. Mm-hmm. Mais les gens n'ont plus de brosse à dents et plus de rasoir quoi. Avec Onogen dit c'est la pause, relancez tout. Ouais, mais on va peut-être pas tout relancer là. Si. Bah, parce que je vois pas faire autrement là, c'est pas possible. Ah ok, bon on redémarre tout. Ok, bon bah pause. On va essayer de se manier.